22. Oh, look Nelly with the steal! Oh, and bucket! Wow! Je voulais dire un truc. Ma mixtape est sort bientôt. Salut tout le monde, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous suivez les vidéos de la chaîne, vous avez déjà vu ce format, Buzzer Beater, le principe, il est simple. C'est un quiz pour tester votre culture sur le basket féminin. Et aujourd'hui, je suis de retour à Landerneau avec un casting de luxe. Et avant de commencer, laissez-moi vous présenter les participantes. It got me stone cold. Les filles, déjà, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêtes? On est là. Elle en sait pas trop, nous oui. Qui se sent favori? Qui se sent outsider? Anna. Anna, qui est TJ Parker par rapport à Tony Parker? Comment? Les filles, du coup, pour ce jeu, ça va se dérouler en trois étapes. Une première étape qui s'appelle Fast Break, ça va être des questions de rapidité. Donc vous avez des buzzers. D'ailleurs, est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ok, Erat. Pas de signification particulière? Pas d'ambiance sur celle-là. Et est-ce que vous avez un nom d'équipe? Oh. On est quand même championne du monde. On est quoi? On est Erat. On dit on est la team 3-3, nous. Team 3-3? Team Erat. Donc, fast break, l'épreuve de rapidité. Après, on aura l'épreuve du CV. Je lui donnerai une joueuse. Il faudra me donner les équipes dans lesquelles elle a joué. Avec le bonus si vous l'avez dans l'ordre. Et on finira par les enchères. Je vais vous donner un thème et le but ce sera après d'enchères sur le nombre d'éléments que vous pouvez me donner dans ce thème-là. Par exemple, si je te dis les capitaines des équipes LFB cette saison, sur 12, combien vous pouvez en donner? Okay. Là, vous allez commencer par dire 2, elles vont dire 3, 4, tac, tac, et vous allez dire 8 et elles vont dire ok, allez-y. Et là, vous devez en donner 8 en une minute. Si vous ne les dites pas, c'est les points là-bas. Ah okay. Ouais, c'est pas mal. La question, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Donc là, pas besoin des ardoises, juste vous buzzer, vous me donnez la réponse. Okay. Et ça part. Okay. Première question à 1 point, deuxième question à 2 points, etc. Mais jusqu'à 10. Moi aussi. On est bon? Première question pour 1 point. Quelles sont les couleurs du logo de Landerneau? Bon, alors là, pour savoir où c'était. Bah, c'était là. Moi, je pense que c'était à droite. Oh, sur merci. Le... Après, moi, je suis neutre, hein, mais c'est mon oreille qui... Mais arrête de regarder partout. Oui, arrête de... Il faut le dire à l'instant. Allez, c'est okay, une épreuve de rapidité. Violet, vert et blanc. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Violet, vert et rose. Non plus. Violet, vert, blanc, rose. Oh là là. Non. Si. 0,5. Un point ici. Bien rattrapé. Du coup, il manquait le blanc. Il vous manquait le blanc. Purée de pomme de la terre. Deuxième question. En quelle année le LBB est-il monté en LFB? 2018. C'est bon. On est là. Bah alors? Ça. C'est pour ça que vous êtes deux. On n'aura pas zéro. Ah bon, on se sait. On se dit là. Troisième question, là, ça va aller très très vite. Voilà. Il va falloir être précis. Vous avez joué la Coupe du Monde U23, en 3-3, ouais. Que vous avez remporté. Ouais. Après ce match, ouais. Quel son de Jules est passé dans l'arène? Italia de Jules. Okay. Mais Jules, c'est nul, je le dis. Alors faisait le J. J'ai mis ça parce que vous aviez mis là une story où vous les accueillez c'est avec vrai, la musique mais et parce tout. Qu'on est des bonnes je me suis amies, dit que vous alliez la voir. Voilà. Il y a des classiques à un moment donné, enfin, je sais pas. Ça me paraît logique. Oh, okay. Quatrième question pour 4 points. Ça peut aller vite, hein, même si vous êtes à 2, là il y a 4. Quelle est la particularité du supermarché Leclerc de Landerneau? C'est le premier Leclerc qui a été créé dans le... en France. C'est réel, oh là là. Eh ouais, les c'est gars, ça, ouais. Culture générale, sortez de chez vous, les jeunes. Il s'appelle Edouard. Hein. Ah non, c'est Edouard Leclerc, je crois que c'est ça. Edouard Leclerc. 8 points à droite, la team 3-3. Les rats, il va falloir revenir. Il va falloir, se ressaisir, les petits, là. Hein. Cinquième question. Là, on va partir sur de la LFB. Bah, oula. C'est fini. Sur la saison 2021-2022, quelle joueuse termine meilleure passeuse? Julie Allemand. Non. Marie, pardon. Marie, pardon. Ça va faire plaisir. Ça se dit copine, hein.
En plus, j'ai pas de plaisir, je suis con. Meuf, on est désolé. On pensait que t'étais meilleure rebondeuse en fait. Pas la seule occasion, je l'ai raté là. Marion Thème. Ça revient à 8-7. Mais Julie, elle est pas mal dedans, non? Elle est pas première. Ouais, mais non. Écoutez, oui. Bye, 16. On cherchait la première. 8-7, ça recolle au score. Sixième question. Vrai ou faux, la cimenterie a une capacité de 3300 places. Faux, faux. Faux, et combien? 2500. Ouais, 2500. J'avais 2300. Non, non, donc c'est faux, 2300. Mais donc ça, elles ont, elles ont eu faux, ouais. Mais de toute façon, la question c'était vrai ou faux. La question c'était vrai ou faux, pas le nombre de places. J'aurais mis un bonus pour le nombre exact. Donne-leur des points, de toute façon, elles sont à deux. C'est mauvais. Là, il y a 13-8. Ça va vite. Ça va très vite, ouais, parce que c'est les questions, nombre de points par nombre de questions. Septième question. Pareil, là, il va falloir faire preuve de connaissance sur les joueuses du championnat. Qui est la seule joueuse croate cette saison en championnat? Pour le silence. Croate. Wow. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas son nom. Non, mais le nom de famille? Non, elle joue au Basketland? Pas du tout. Oh, wow. Ouais. Croate. On a joué au Basketland. C'est pas Toulouse, on s'y joue contre l'année dernière. C'est pas non, Charles Levy, elle est pas croate. Hein. Je sais pas si elle est croate. Vas-y, tente. Selon Jacques. Putain. Putain, j'allais dire ça. C'est croate. Il va selon Jacques, ouais, croate. Merde. Pardon. Plus, elle est cool comme meuf. Bravo, 7 points ici. Et 20 combien? Ça commence à s'envoler là. Ça. Là, on a 20 à 8. Ouais. Ah, c'est nous qui avons 8? Ouais, vous avez 8. Peu trop contente, Yamina. Non. Qui a le record de points marqués sur un match dans l'histoire du club de Landerneau? Deux réponses possibles. Magie Lucas. Non. Non, attends. Dans l'histoire de Landerneau. Vas-y. On a dit avant. Non, on a dit avant. C'est 10 fois nous. Non. Vas-y, dites. Allez-y, répondez. Vas-y, répondez. Moi, je vais. Léa Dongué. Ça fait partie d'une bonne réponse. Louisa, elle est dedans. Et Louisa, c'était l'autre. Putain, on aurait dû pas leur laisser. On aurait pas dû vous laisser, bordel. Mais il y en a deux, il a dit non. Ouais, alors, moitié, c'est moitié. Léa Dongué et Louisa Gaïsse-Sodor. Bah, du coup, il y a un, y a partout. Il n'y a pas à moitié-moitié. Non, hey, c'est pas marché ici. Non, vous avez laissé la main pour le coup. C'est vrai. On est fair play. Point pour vous. Et donc, ça s'est joué. Elles ont mis 31 points chacune. Et Léa, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 5 novembre. Contre Toulouse. Contre Toulouse et Louisa. Bravo. Et Louisa, c'était la saison dernière contre Angers. Neuvième question. Là, va falloir aller très vite. Vrai ou faux, la LFB fête ses 20 ans cette saison? Faux. Je sais pas. C'était faux. Appuyez avant que tu termines. Non, parce que tu sais, les 20 ans, c'était en 2020. Non. 2019. 2018. Soit pour dire que vous n'avez pas eu de points. On peut, ouais. On peut faire. Ah, mais du coup, là, c'est chaud, là. 10, 17, 17 et 8. Ouais. Ils ont 20. 25 à 20. Ok, ça va. Il reste une question à 10 points. Oh, wow. Plus mental. Pour terminer cette première manche. Cette saison. À l'heure où on se parle, là, après 4 journées de LFB, qui a la meilleure évaluation? C'est nous. Il faut une personne extérieure pour juger, mais je crois que c'était là. Non, c'était. Moi, je l'ai entendu là. Non, c'était ici. On dit la réponse? Calis Lloyd. Non, c'est faux. Smalls. Kamaya Smalls. Allez, boum. Et il y a eu un post ce matin en plus. J'ai vu que. J'ai vu ce matin sur. Exactement. Le SBVA a posté ce matin Kamaya Smalls, meilleur éval. Et je me suis dit, ça tombe. Est-ce que j'ai eu le temps de cliquer dessus? Vous savez où j'étais ce matin, moi? J'étais en train de faire des lay-ups. Mais tout pareil. On était sur le parquet du LBB. On était dans ton lien. Du coup, le score? Comment je m'en sors, moi? T'es allé en maths un peu? Non, moi j'ai arrêté. Et bah 30 à 25. Ah, c'est pas grave, ça arrive. 30 à 25, fin de la première manche. Franchement, vous étiez. Il n'y a pas eu trop de mauvaises réponses. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu pire. On enchaîne, j'aime pas trop le score. Là. On enchaîne avec la deuxième épreuve, c'est l'épreuve du CV. Il y aura trois joueuses en tout, et là vous aurez une minute pour noter les clubs dans lesquels elle a joué. Bonus de combien de points si vous l'avez tous dans l'ordre? 10. C'est tout. Ah. Mais attends, moi j'aimerais bien mettre un bonus pour dire ça veut dire quoi CV? Serae Viriculum. Pas du tout. CV, ça veut dire Curriculum Vitae. J'y étais presque, j'ai dit à l'inverse. Bah pas du tout, donc moins 2. Donc combien de points de bonus? 10. 10
10 points de bonus si vous avez tout dans l'ordre. Est-ce que vous êtes prête? Yes. Ouais. Première joueuse, c'est une de vos coéquipières, c'est Marie Manet. Bon, moi, je sais pas dans l'ordre, c'est pas grave. Si vous avez fini avant, vous pouvez buzzer pour arrêter le chrono, évidemment. J'ai pas dit. Tranquille. En 20 secondes. Waouh. 20 secondes, ça écrit très très vite. J'espère qu'on s'est pas trompé, Marie. Marie, elle a Marie, des elle fans. Marie, elle a fait une tournée, frère. Il y en a, ils ont suivi la carrière de Marie de A à Z. Oh, mais on est fous. Pardon. Non, vas-y. C'est bon. On verra s'il en manque. Bourges. Ouais. Toulouse. Oui. Angers. Ouais. Montpellier. Ouais. Saint-Amand. Ouais. On a fait tous les Nantes. Ouais. Landerneau. Mais on aurait pu écrire. Mais bien, on écrit tous les clubs. Bien, on écrit tous les clubs. Je vous mets 10 plus 10. Je crois que ça fait 20. Vous aviez quoi, vous? Landerneau, c'est tout? Mais chaud. On est vraiment top. Là, franchement, chapeau. Pourquoi? On avait oublié Saint-Amand et on l'a rajouté. Il faut pas le dire. Deuxième joueuse, on enchaîne. Lidia Tursinovic, qui n'est pas croate. Je pense qu'elle a fait plus de trucs, je pense, en vrai. Vas-y. Ce cri. Allez. Lidia, si tu passes par là, on est désolé. On sait pas trop. Nantes. Nantes, ça fait partie. Ah, vrai, tu vas dire. Lyon, oui. Basketland. Ok. On l'a dit. Date de suite. Vous avez quoi? On l'a pas mis Nantes, mais on l'a dit. Je vous en compte 3. Est-ce que on peut en avoir un en bonus? Pourquoi? Pourquoi? On en rajoute un. On n'est pas sûr. Alors, quel honneur. Non, bah non. Non, mais allez, on passe à la suite. Vous avez déjà eu bonus avant? Tu peux me le dire comme ça pour le. Charleville, oui, c'était dedans. Oh putain. Oh putain, faut que je me fasse confiance un peu là. Je vous en mets 2. Ouais. Ouais. Comment ça? Bon, c'est. Je décide les points comme ça. On a 2 attends, vous, non, tu l'as mis 2 points. Dans 3 vous et 2. Mais pourquoi? Ouais. Parce qu'ils nous avaient donné notre avis. Comme ça. Mais elles ont buzzé. C'est, ouais. C'est lui qui choisit. Ouais. J'ai envie d'équilibrer. Dernière joueuse. Et en plus, ça fait. Allez, c'est parti. Prête, Ingrid Tanqueray. On est nuls, là. Oh, 3, elle va pas nous juger. 2, non. 1, c'est terminé. Je vais vous écouter les deux. Allez-y. Okay. On a mis Lyon. Oh. Lyon, c'est OK. C'est okay. Charleville. Charleville, c'est OK. OK, attention. Et là, on a mis Bourges. Bourges, c'est OK. Oh. Et Villeneuve. Villeneuve, c'est OK. Ouais. Est-ce que lui, si là, je suis pas sûr. Allez, on s'arrête là. Vas-y. Montpellier. Montpellier, c'est OK. Ah, waouh. Bah, c'est tout. Non. OK, 5. Bien. OK, 5. Bien. Ah non, mais je t'ai vu. Les caméras. OK, vas-y, c'est bon. Il y a un truc qu'on n'a pas dit avant, c'est que Anna, c'est la plus grosse tricheuse. Mais tu as la caméra. Mais attendez, la caméra. T'es quoi pour. Montre comment tu l'as rajouté. On a juste rajouté MTV, vas-y, c'est bon, et pas Ligami. C'est faux. Et vous aviez quoi comme. Nous, on avait Charleville, Lyon, Bourges, Villeneuve et. L'entente et nous, Valenciennes. Moi, j'avais sur ma petite fiche, j'avais Mondeville, normalement. Ah, c'est ça. Voilà, c'est, ah, fou, c'est ça. Fou, c'est fou, voilà. On a gagné. Donc 4. Là, il y a 37. Et là, on est à 52. Ça va? Ça va. C'est 15 points. Ça va. C'est 15 points. Non, mais là, ça va aller très vite parce qu'on. Allez, j'ai envie de mettre 15 points par manche pour la prochaine. Allez, ça part. C'est soit on revient, soit on reste là. On va passer aux enchères. Et là, ça va devenir intéressant. Donc les filles des enchères, je vais vous donner des thèmes. Et après, vous allez devoir enchères sur ce thème-là en me disant un nombre d'éléments que vous pouvez donner. Si vous pouvez la jouer stratégique en disant on vous laisse y aller si vous pensez que l'équipe n'est pas capable d'y aller et qu'elle a enchéré pour du bluff. Est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions? We got it! Premier thème, les joueuses du LBB depuis la saison 2020-2021. Première équipe, vous buzzez pour enchérir et après on enchaîne. Pas besoin d'écrire, pas besoin d'ardoise. Il faut les écrire, ma joueuse? Non, dites-les, là il faut dire un peu. J'attends un premier chiffre. Ok, bah nous, 11. Tout? Ouais, 13. Après, vous pouvez monter après, hein, c'est le principe. 13. 15. 15. On a une minute après pour dire tout. Une minute. 16. 18. 19. 19? Non.
19, c'est pas mon dernier mot. Il y en a. Il va falloir assumer. Il y en a. 19. Non, c'est pas mon dernier mot. Bah, dis quelque chose. On se. Moi, à partir du moment où 19 est sorti. 19. Ok, 20. Oh purée. Vous pouvez laisser y aller si t'as pas tout. Ok, 21. 22. J'espère que j'ai tout le monde et qu'il y en a assez, hein, parce que sinon. Allez, monte. 23. Ok, allez-y, vous les avez pas. Ok, allez, super. Vous êtes prêtes? On peut les écrire? Bah là, bon, il va falloir les. Oh, une minute. Ouais. Okay. Alors attends, parce qu'il faut que je mette à la fois un chrono et à la fois que je regarde la réponse. Okay. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, go. Vas-y, continue. Margot. Virginie. Marie Butard. Ilona. Anna. Sixteen. Moi. Laura. Ifi. Ashley. Rania. Myriam Dukundade. Victoria. Pauline. Ashley. J'ai déjà dit. On est à 13, hein. Dit. Ifi. Tu as déjà dit, je crois. J'ai promise. Dit. Promise. Promise, on a dit. Non, promise. Non. Destiny. Hello. On est à combien? T'es à 16. 16? Ouais. Attends, mais frère, cette année déjà, on n'a pas tout dit. Myriam. Mais si, vous avez tout dit. Myriam, Pauline. Vous avez déjà dit, Myriam. Ri, Chloé. T'as déjà dit? Mais pas du tout, Ri, on n'a si, pas dit. Si, j'ai dit. Ah, Léa. Chloé. Léa. Ok. Jayza, Louisa. Ok, Carvin. Jayza, Louisa. Il en manque 3, ma gueule. 6. 5. 4. 3. Là. 2. 1. 16. Et c'est là. Terminé. Et c'était à combien? C'était à 20. 20 sur 23. Vous avez tenté. On a essayé. Bravo. Mais 15 points là. Donc c'est 15 points ici. Je t'aime pas, je t'aime pas. On a 37-67 là. Là, il y a 30 pions. Là. Ouais. Donc si vous gagnez pas la prochaine. Mais après tout, fini, hein. 30... Ouais. Prochaine manche, prochain thème. Cette saison en LFB 22-23, les joueuses étrangères. Plus que 10? 11. Ouais. Ça part sur 11. 15. Ouais. Vous, 16. 16. 17. Allez-y. Okay. Prête? Ouais. 3, 2, 1, go. Joey Wells, Jezanon, Renaya Davis, Leia Dongue, Camilla Smalls, Burke, Gabi. Diaby, Van Loo, Peters, Bailey, Peterson. 5 secondes. Calis Lloyd, comment elle s'appelle, Kristen Mann, Victorine, mon prénom. On a combien là? On a combien? Kayla Alexander. Il reste 15 secondes. Oh, Soon Jack, Shidom. 14. Je suis à 16 ans. Non, 14. Je suis à 16. 14. Je suis à 16. 14. Allez, tu peux en avoir. Bobby Williams. Top. C'est fini, c'est terminé. Moi, je sais pas qui croire sur les. J'ai pas vu les mains. T'en as pas enlevé deux? Non. Ok, bon. Et t'avais dit combien? 16. Bon, donc 17 validés. Moi, je pense que ça s'est arrêté à 16. Oh non. Bah, moi, je pense surtout que là, il y a. Non, ça commence non, à s'envoler sévère. Hein. On est sur un 82-37 là. C'est pas grave. Mais est-ce qu'on peut faire une manche bonus après? Ouais. On te donnera le point. On te donnera la question. Peut-être que vous pouvez l'avoir. La prochaine manche est la dernière. Est-ce que vous voulez la jouer qui tout double et celle-là on la met à 300 points et 300 points. Qui tout double. Anna. Anna, parce qu'Anna elle sait qu'elle tient juste la plaquette. Moi je fais le travail de l'ombre, c'est très important. Ouais. 300 points pour la dernière manche qui tout double, l'équipe qui remporte cette manche-là remporte tout. Le thème, et là va falloir enchérir vite parce que c'est votre domaine. Les joueuses nées en 2000 ou après. Moi, j'aime bien. Qui sont référencées, moi, sur le LFB dans les joueuses. Ne sortez pas vos potes du centre de formation qui sont pas avec les gros pros et tout ça. 5. Hein. 7. 10. Waouh. Mais même dans notre âge, on sait pas faire. C'est grave. Allez, il me faut un chiffre, enfin, ou un nombre. Au-dessus de 10 ou pas? Ouais, 4, les rats. 7.
Ouais, 11. 11. À droite. 13. 14. Waouh, waouh. Ah oui, ouais, 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 ouais. Saison. C'est quand à LFB? Oui, bah oui. Non, c'est en. Voilà. Championnat turc. Ouais. On n'a pas. Nous, j'ai pas au-dessus de 16. Vous avez pas? Vous allez essayer d'y aller? Vous êtes prête à 16? Ouais. Prête? 3, 2, 1, go. Victorine, tiens, Ilona Atab, Laura Ebrin, Christine Maquet, Pauline Astier, Maya Hirsch, Héloïse Pavrette, Janelle Salin, Ivana Anjolvi, Amina Tagay, Margot de Freitas. Siga, Sia, Sida Abega, Amine, Atou, Atou, Atou Diakité, Jo Cité, Dominique Malonga, Nabala Fofana, Axel, Marcelon, Tarb, Marie Pardon, Johanna Ewodo, ça va, ça va, Serena Kessler, Il reste encore 15 secondes. Ouais, là je pense que. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, mini. 300 de maille. Là, je crois que c'est. C'est pas grave. C'est une victoire écrasante. Mais moi, je me truc. Après, bon, elles ont un peu plus d'expérience de. Voilà, Allez. Voilà, on vous accorde ça. Et vous, ça vous forge pour un épisode prochain, peut-être. On en ressortira grandi, comme on dit. Et ben, 382 à. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire? Coupez. Allez. On rentre à la maison. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez ça? Non, mais nous on a des points. Et coupez sur un terrain. Tu gagnes pas le match, avant c'est chaud. C'est vrai. Bah écoutez, les filles, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir même dans. Ouais. La presque victoire. Ouais. On était à ça. Ouais. Oh. Franchement, ça s'est joué à. Déjà, on a la première manche si on fait pas manche. C'est déjà ça. Gagner le premier carton, c'est trop important. Mais c'est déjà ça. Mais tu sais que dans les petites catégories, c'est en carton gagné. Hein. Et on a gagné la première manche. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez aussi faim que nous? Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Merci les filles d'avoir joué le jeu, c'était cool. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez bien kiffé aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que les gens doivent mettre en commentaire à la fin de la vidéo? Abattre l'ennemi. Abattre l'ennemi. Et un petit smiley. Un petit smiley, abattre l'ennemi avec un petit smiley. Le violet là, avec les. Ouais. Celui qui sourit ou celui qui est pas content? Celui qui sourit. Celui qui sourit. Abattre l'ennemi en. Abattre l'ennemi. Voilà. C'est écrit là sur l'écran. Là, c'est écrit là. Ouais. Là. Là ou là. Là, ou, là. Je sais pas. Là. Je sais pas qui part. Ah ouais, on a oublié un truc. Voilà. On a un cadeau pour Noé. Oh purée. Pour la surprise. Parce que t'es au top. C'est comme ça. Mais ton cadeau. Ça, c'était pas prévu. On peut faire un bon tambour. Oh, attention. Un maillot collector. Collector. Ah ouais. Là, tu peux l'afficher vraiment en grand plan. Bah, pas partout parce qu'il. Magnifique. C'est le maillot du carnaval. Il sera à côté de Sweet Souverain dans ton studio. Il sera à côté de Sweet Souverain. Il sera à côté. Ouais. Putain, incroyable. Ouais. Mais franchement, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. C'est quoi l'histoire du carnaval de Landerneau? Y a vraiment un truc? Coupé. Non, bah merci beaucoup. Une fête qu'on aime bien célébrer, qu'ils aiment bien célébrer ici, les Bretons. S'il y a fête, il y a Breton de toute façon, j'ai envie de te dire. Et on l'a fait l'année dernière. Et on a joué contre Villeneuve. On dira pas le score, mais on a joué contre Villeneuve avec ce maillot. Et voilà. Et bah c'est collector, merci beaucoup. Oui. Vous me le signerez, j'ai un petit feutre. À côté de Soulboard, il y sera. Merci beaucoup, fin de vidéo. Oh,